Le président de la Chambre des représentants, M. Karim Ghellab, s'est entretenu lundi avec la vice-présidente de la Commission des affaires étrangères et de la défense au Sénat français, Mme Josette Durieux. Nous connaissons le Maroc, nous sommes des amis du Maroc. Et nous venons, dans le cadre de ce rapport, pour mieux comprendre ce que sont les transformations qui sont opérées depuis notamment la mise en œuvre de la nouvelle Constitution en 2011. Il y a des réformes qui se font, il y a des réformes qui se poursuivent. Nous savons, nous, que les demandes des citoyens sont toujours très fortes et les exigences très grandes. Mais en même temps, ce pays représente pour nous un pays stable. Essentiellement stable. Et ces réformes ne peuvent, dans le domaine social, dans le domaine économique, ne peuvent qu'affirmer cette stabilité. Alors avec le président du Parlement, nous avons parlé essentiellement de cela, puisque c'est lui qui, sans doute, maîtrise le mieux l'agenda. Les entretiens entre les deux responsables, qui ont connu la présence du président du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat français, M. Christian Camban, ont porté sur l'examen des réformes entreprises au Royaume à la lumière de l'adoption de la Constitution de 2011 et des perspectives de coopération bilatérale outre les derniers développements dans la région.